Moi, j'aimerais parler d'une anecdote à propos de ma mère, parce que ma mère, elle est décédée l'année dernière. Et bon, comme toutes les femmes de sa génération, elle n'avait pas vraiment fait d'études. Mais elle adorait la lecture et il y a toujours eu beaucoup de livres à la maison. Et je me souviens quand j'étais petit que ma mère m'achetait un Mickey Parade. Je crois que c'est tous les jeudis ou tous les mardis, je ne me souviens plus. Et moi, quand je retournais de l'école, il y avait cette impatience justement, parce que je savais que maman allait apporter un Mickey Parade. Et je pense que ma mère m'a inculqué, m'a transmis quand même l'amour des livres. Ou encore, par exemple, tous les samedis, on se rendait à Cuapip. Il y a le premier grand supermarché de l'île qui venait d'ouvrir ses portes, Prise Unique. Et donc, y aller. Et aussi, souvent, on se rendait donc à la librairie Le Trèfle. Et là, ma mère achetait des bandes dessinées comme Tintin. Et je crois, justement, il y avait quand même. J'ai découvert très tôt quand même le plaisir de posséder des livres et surtout de lire. Et aujourd'hui encore, j'aime bien me rendre dans une librairie. Par exemple, j'ai un petit budget livre. Tous les mois, j'aime bien m'acheter deux ou trois livres. Et ça, ce qu'il y a de génial au fond, c'est que quand j'y vais, je sais que je vais acheter deux ou trois livres, mais je ne sais pas lesquels encore. Et donc, j'y vais. Donc, j'y passe peut-être une heure. Et donc là, il y a cet élément, cette attente. Je ne sais pas au fond, est-ce que je vais acheter un livre sur la religion ou un livre sur autre chose. Et au fond, c'est assez jouissif, je trouve. C'est-à-dire que je vais acheter ce livre, et finalement, au bout d'une heure, j'achète deux ou trois livres, et je sais que le soir, je vais consacrer peut-être toute ma soirée à la lecture de ces livres. Et je pense que, pour moi, quand même, c'est assez important. C'est vrai que peut-être il y avait déjà une sensibilité qui m'a poussé vers les livres, mais je crois que c'est surtout aussi grâce à ma mère, qui avait cet amour, justement, de la lecture. Et j'aimerais essayer de transmettre ça quand même à mes enfants, parce que je pense que la lecture est vraiment essentielle. Toute lecture, hein, mais il y a des livres quand même qui sont un peu plus intéressants que d'autres. Parce que je pense que le livre finalement est un moyen d'accéder à la vérité du monde. Peut-être que c'est illusoire, sans doute. Mais du moins pour moi, lire c'est une façon de mieux me comprendre et de comprendre la vie au fond. Donc je dois d'abord dire que j'aime beaucoup la lecture, je suis un amoureux de la lecture et des livres, et j'adore lire depuis que je suis tout petit. Et évidemment, il y a de nombreux auteurs qui m'ont influencé. En particulier, il y a Charles Baudelaire, que j'ai découvert à l'âge de 9 ans. Enfin, c'est un livre, peut-être qu'il m'est littéralement tombé dessus. Et ce qui m'a plu dans Les Fleurs du Mal, c'est que d'une part, c'est un texte absolument magnifique, mais aussi, je me suis retrouvé dans les textes de Baudelaire. Parfois, je me dis, on a littéralement l'impression que Charles Baudelaire est entré dans ma tête et qu'il a transmué mes émotions en mots. Évidemment, entre-temps, j'ai évolué et je relis ce texte différemment aujourd'hui. Et c'est un texte qui m'a vraiment touché. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à aimer la poésie. Et que je me suis dit, la poésie peut servir à exprimer ce qu'il y a dans les tréfonds de mon être. Il y a aussi d'autres auteurs que j'aime beaucoup. Ce qui concerne la littérature mauricienne, il y a Norma Lévy. J'ai lu tous ses romans, je trouve sa poésie sublime. Récemment, j'ai lu Indian Tango, je trouve que c'est un roman absolument magnifique, l'écriture est totalement maîtrisée. Il y a aussi Les Kézio, j'ai lu plusieurs de ses romans, notamment Le Chercheur d'or. Ce qui est aussi fascinant avec l'Ecclésio, c'est un homme quand même qui est une grande simplicité, qui est très modeste. Et dans ses livres, on découvre un imaginaire vraiment inouï. J'ai parlé de L'Inconnu sur la Terre. Moi, j'ai lu ce livre il y a 2 ans de cela. Récemment, je l'ai acheté. J'avais emprunté au Centre culturel. Je l'ai acheté il y a 2 semaines de cela. Et j'ai lu ce livre, j'étais vraiment sous le choc. Parce que cet auteur, justement, nous parle de choses peut-être très banales, un nuage, du ciel ou d'une table, et nous apprend à regarder les choses autrement. Je pense que c'est un auteur, au fond, profondément mystique et spirituel. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais je sens une grande spiritualité quand même dans
ses écrits. Et puis, j'aime beaucoup de romanciers. Il y a de nombreux romanciers que j'aime leur lire, comme par exemple André Brick, pour la littérature africaine, Vikram Seth, j'ai lu Shootable Boy, je trouve que c'est un roman absolument magnifique. Il y a aussi une littérature qui m'intéresse beaucoup, c'est la littérature anglaise d'expression, la littérature indienne, pardon, d'expression anglaise, des écrivains comme Anita Desai, ou des romancières qui vivent aux États-Unis comme Jhumpa Lahiri. Donc, ce qu'il y a aussi, c'est que pendant longtemps, j'ai lu des livres écrits par, bon, comme dans toutes les sociétés colonisées, je pense, hein, des livres écrits par des auteurs occidentaux. Et quand, par exemple, j'ai découvert Vikram Seth, ce que j'ai aimé, c'est que cet auteur parle de moi. Parce que, bon, je suis indo-mauricien. Par exemple, il y a Madame Ruparmera, ce merveilleux personnage, qui est une mauricienne, au fond, une indo-mauricienne. Parce qu'au fond, et quand on lit ces auteurs, justement, ils parlent de notre expérience. Ce n'est pas tout à fait la même chose, cela se passe dans d'autres contextes. Par exemple, Jhumpa Lahiri, que j'adore, nous parle de l'expérience de la migration des Indiens qui habitent en Inde, mais en même temps, elle parle de la société mauricienne, avec toutes ces contradictions. Hein. Et moi, j'aime, au fond, c'est un peu narcissique. Je pense qu'on aime bien lire des livres où on se retrouve un peu dans les personnages. Et ce qui m'intéresse vraiment aujourd'hui, bon, j'aime bien la littérature française. Bon, il y a quelques auteurs, comme par exemple Philippe Claudel, mais j'aime bien la littérature du monde. Hein. J'aime beaucoup Vargas Llosa, par exemple. Récemment, j'ai lu le tome du Patriarche de Marquez. J'estime que c'est un chef-d'œuvre absolu. Bon, c'est, j'ai pas de mots, c'est un livre qui m'a vraiment émerveillé. Donc, je pense que, enfin, très modestement, je me nourris de toutes ces influences. Hein, parce que, bon, je lis tous les jours, enfin, je lis pratiquement tout le temps. Et il y a un auteur aussi que j'ai découvert récemment que j'aime, Pessoa, ses fragments, The Book of Disquiet. Bon, c'est vrai, c'est extrêmement déprimant. Mais j'aime beaucoup parce qu'au fond, c'est un auteur qui a une profonde sensibilité et qui a compris au fond que la vie est une grande tragédie. Et il y a une démarche, je pense. Il est allé au bout de cette démarche. Au fond, il refuse les compromis. Il dit sa part de vérité qui est justement, enfin, moi c'est mon interprétation, hein, c'est qu'il y a cette part d'absurde à la vie, que la vie finalement, ils sont tous. Bon, la vie est assez tragique. Donc c'est un auteur, mais il y a une grande poésie aussi à ses textes. Donc se trouve dans le district de Penn Williams. C'est une ville assez multiculturelle où on retrouve les gens de toutes les communautés. Et ce que j'aime ici, c'est justement une certaine douceur de vivre. C'est un lieu assez paisible. Hein. Et bon, il y a très peu de magasins, un marché, c'est plutôt résidentiel. À la limite, c'est un lieu quasiment idéal pour vivre. Donc les samedis, quand j'étais petit, j'avais mes cousins et cousines de la famille Gandhi qui venaient chez moi. On se rendait à QAP parce qu'il y avait, venait d'ouvrir le premier grand supermarché, enfin grand, relativement petit maintenant, prise unique. Et ben, c'était la grande balade du samedi parce qu'on y allait en voiture. Et là, on se rendait au supermarché, qui était, au fond, qui est petit. Maintenant, je me dis que c'est petit, mais à l'époque, il nous paraissait absolument immense. Et donc, j'y allais avec mes cousines et mes cousins. Donc, c'était une vraie aventure aussi. Donc, ensuite, on se rendait à la librairie Alot et le trèfle pour acheter des livres. Donc, et bon, c'était un moment assez merveilleux, justement, parce qu'on achetait des BD, on achetait d'autres livres. Donc, je crois qu'il y a encore cette... J'étais petit, il y a encore cette naïveté, cette innocence à l'enfant, justement, hein, où on est dans le plein de l'action sans vraiment réfléchir. Hein, on peut vivre intensément le bonheur sans trop se poser de questions. Et ben, je pense que ces samedis-là étaient assez, assez merveilleux. Je trouve ce qui est assez intéressant dans notre pays, c'est que justement, c'est un pays dont c'est une île assez paradoxale. Et moi, ce que j'ai toujours aimé à l'école primaire, par exemple, c'est un lieu de rencontre. Hein, parce que j'avais des amis justement de toutes les communautés. Bon, moi, je suis musulman. J'avais des amis aussi bien hindous, créoles, catholiques, etc. Et je pense que c'est ça qui fait la beauté de cette île, parce que les enfants, justement, ils sont encore innocents. Ils ignorent, parce que, bon, un peu plus tard, vous savez, quand vous allez grandir, Maurice, c'est une cité quand même, il y a pas mal de ghettos. Hein. Et ben, c'est un peu la même chose. Mon fils, ben, il est ami avec tout le monde, je pense, à l'école. Il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de communauté encore.
Je pense que, bon, moi en fait, j'étais musulman dans une école catholique qui se trouve ici, une centaine de mètres d'ici. Et ben, j'ai de très bons souvenirs parce que justement, petit, on allait bien au-delà, on allait au-delà de tous ces cloisonnements. Et c'était encore une part d'innocence et je pense qu'on a tendance à le perdre, au fond, après qu'on devient adulte, parce que quand même, on est dans une société où il y a pas mal de divisions. Ouais, je pense que mon écriture poétique est une tentative de résoudre un certain nombre de contradictions. Je pense par exemple que ce qui m'a toujours fasciné, c'est que je me souviens quand j'étais jeune, bon, j'ai lu Pascal, les pensées de Pascal, et ce qui m'a touché quand même, c'est que nous vivons là quand même dans un univers qui est infini. Et je crois que l'homme n'est rien au fond. Parce que là, il y a un paradoxe quand même extraordinaire. Je pense qu'il y a comme une intensité au réel. On vit intensément notre vie, on vit dans l'action, on se crée. Et en même temps, ben, le décor, c'est le néant. Donc comment réconcilier ce désir de vivre, l'intensité de la vie, avec le néant? Parce que finalement, l'univers est infini, on n'est pas grand-chose. Et donc pour moi, c'est une question qui, je ne dirais pas que cela m'obsède, mais qui m'intéresse. Et je pense que dans mon écriture politique, je tente, j'essaie, non pas de trouver une solution, mais d'exprimer, si vous voulez, cette contradiction, ce paradoxe, ou peut-être même ce tourment. Ou un autre paradoxe ou contradiction, si vous voulez, c'est, par exemple, bon, j'ai parlé un peu plus tôt du livre de l'Ecclésio, L'inconnu sur la terre, et je pense qu'il y a de magnifique dans ce livre, c'est que l'auteur nous éveille au réel. Et on retrouve un peu cette thématique dans la mystique, le soufisme, et ça m'intéresse tout particulièrement. Et je pense que le réel est assez extraordinaire. Je pense que la vie est un miracle qui se renouvelle à chaque instant, à chaque seconde. Et on peut être en état de beauté. Enfin, je ne le suis pas tout le temps, mais parfois j'appréhende, je perçois, je ressens la beauté inouïe des choses et du monde. Et cette beauté vraiment me submerge. Donc la vie est miracle, je pense. Et en même temps, nous sommes dans un monde, je veux dire, assez affreux, où il y a quand même énormément de souffrance, il y a une part de tragique à la vie, je pense. Pour moi, quand même, j'ai la chance d'avoir un toit, une maison, de manger à ma faim. Mais on sait bien que dans le monde, il y a une très grande souffrance, il y a beaucoup de gens qui souffrent, il y a des guerres. Bon, c'est peut-être des clichés, hein, il y a des clichés, mais en même temps, je pense que c'est une réalité. Donc, comment réconcilier ce miracle qui est la vie avec la souffrance, au fond? Donc, je pense que, encore une fois, je tente modestement dans ma poésie d'exprimer ce paradoxe. Et, par exemple, il y a un film que j'aime bien, c'est The Thin Red Line, un film qui parle de guerre, je ne sais pas si vous l'avez vu. Et dans ce film, souvent, il y a ce paradoxe. Hein, ça se passe dans un cadre idyllique, il y a une guerre dans un cadre idyllique. Et bon, le cinéaste nous renvoie constamment à la beauté du monde et en même temps à la souffrance des êtres. Et je n'ai pas les réponses à cette question, et je crois qu'écrire justement, c'est une tentative d'aller au bout de cette interrogation, essayer de résoudre peut-être, de trouver des réponses peut-être. Je pense que écrire pour moi est surtout avant tout une quête existentielle. Bon, il y a une autre thématique qui m'intéresse en particulier, c'est, je pense, la question identitaire à Maurice. Et je pense que nous avons la chance quand même d'évoluer dans une société plurielle. Mais je pense, enfin, il me semble que cela se passe plutôt bien dans l'ensemble. Il y a des lieux de fracture, hein. Il y a des lieux c'est pas toujours évident. Mais il me semble qu'en même temps qu'on passe à côté de l'autre. Parce que nous avons un rapport difficile à l'autre, à celui qui est différent de nous. Et moi, je crois qu'il est absolument essentiel de s'enrichir au contact de l'autre. Je pense que, pour moi, l'identité, finalement, c'est un lieu d'ancrage et un lieu de dépassement. Je suis ancré de ce que je suis, c'est-à-dire on peut être musulman, hindou, catholique, ce que vous voulez. Mais en même temps, ce lieu d'ancrage doit me permettre d'aller à la rencontre de l'autre. C'est-à-dire essayer, pour faire preuve d'empathie, essayer de comprendre l'autre. Mais déjà, cela aussi signifie déjà se connaître, connaître sa culture, ce qu'on est. Et il me semble qu'à Maurice, malheureusement, on reste confiné dans des ghettos de l'esprit, parce qu'on est en contact de l'autre au quotidien. On se parle, on est un peu hypocrite à la limite, on s'entend plutôt bien,
Mais moi, je pense que, est-ce que peut-être qu'on pourrait aller un peu plus loin dans la rencontre de l'autre, pour essayer de créer une identité vraiment mauricienne. Et je pense aussi que c'est un problème assez grave, parce que quand on considère ça, les problèmes dans le monde, comme en Israël et d'autres pays, je pense que, bon, enfin, pour ne pas caricaturer, mais il y a là un refus de l'autre. Et à Maurice, il y a quand même une difficulté à accepter, il me semble, la différence. Et donc, ce que je dis au fond dans ma poésie, c'est qu'il faudrait peut-être essayer d'aller au-delà de cela, essayer d'être humain au fond. Et je pense aussi que nous sommes dans une société quand même obsédée par les apparences et hiérarchies. Bon, je dis souvent pour rigoler que l'île Maurice, c'est l'île des fous et des mégalomanes. Bon, c'est pour rire, mais ce n'est pas tout à fait faux en même temps. Bon, peut-être que ce n'est pas très différent ailleurs, hein, mais au fond, oui, je pense que nous sommes assez obsédés par... Il y a une culte des apparences, un refus. Au fond, nous sommes une société égalitaire, si vous voulez, mais au fond, obsédés par la différence, hein, être différent des autres. Il y a ce besoin de mépriser les autres, l'autre qui est différent de nous, à cause de la couleur de sa peau, parce qu'il n'a pas réussi. Je ne veux pas être méchant, mais je pense que nous sommes une société du mépris, au fond. Pas très humaine. Ça doit paraître assez sévère, mais c'est ce que je pense, vraiment. Je pense qu'il y a un discours qui est là, où on blâme les autres parce qu'ils ne réussissent pas, parce qu'ils ne sont pas comme nous, parce qu'ils sont différents de nous, et où les gens ne font pas l'effort de la complexité, hein, dans leur relation à l'autre. Et je pense qu'il est extrêmement important de prendre en considération le contexte historique, essayer de comprendre l'autre avant de procéder à une caricature. Et bon, c'est ce que j'essaie de dire dans mon écriture. Mais ultimement, pourquoi est-ce que j'écris vraiment, au fond, c'est parce que, enfin, c'est difficile à expliquer, c'est difficile à en parler, mais je pense que je suis possédé d'une certaine façon. Bon, pas par le diable, évidemment, mais je pense qu'il y a en moi... mais il est très difficile d'en parler parce que justement, les gens ne vous comprennent pas, je pense. Mais j'aime les mots et j'aime les livres. J'éprouve une vraie fascination pour l'écriture. Et il y a des livres comme ça qui, je dirais, qui m'empêchent. Par exemple, on a parlé d'Ecclésio, Ananda, des Bibles, tellement. Mais parfois, il m'arrive de lire un texte, et ben, j'ai envie de pleurer. Parce que c'est vraiment trop beau. Et moi, ce que j'aimerais faire, très très modestement, c'est essayer de recréer cette beauté. Ça, il y a une phrase de Kafka que j'aime beaucoup. Kafka dit que la littérature doit être la hache qui brise la mer gelée en nous. Et parfois, il m'arrive de le lire un livre, justement, c'est une hache qui me brise en deux, en 10 et même en 1000 morceaux. Et moi, ce que j'aimerais faire, c'est, je ne sais pas si j'ai du talent, j'arrive à faire une ou deux choses avec les mots, j'aimerais aller au bout de ce que je peux faire. Bon, j'ai publié quelques recueils, bon, j'essaie d'écrire un roman, mais je sais que je suis hanté. C'est une façon par les mots, par l'écriture. Il y a au fond de moi, au fond de mon être, il y a quelque chose qui est là, qui est présent, que je n'arrive pas à définir, que je n'arrive pas à expliquer, mais qui est très fort, qui est très puissant. Et je crois que c'est peut-être la sensibilité poétique, je ne sais pas. Et j'ai envie d'aller au bout de ça. Aller, et je ne sais pas au fond quelles sont mes limites. Parce que vous savez, au fond, quand je reprends cette aventure, parce que c'est une aventure, l'aventure poétique, pendant longtemps, franchement, je n'y ai pas cru. Vous savez, j'ai commencé à écrire une dizaine d'années de cela. Pour moi, la littérature, c'était pour les autres. Bon, ils écrivent des choses tellement magnifiques. Je me suis dit, moi, le petit Homa, avec des textes ridicules, etc. Et puis, bon, j'ai publié quelques textes dans l'Express, un journal local. Ensuite, j'ai publié quelques recueils. Et puis, je me suis dit, bon, peut-être, effectivement, c'est pas si mal que ça. Et cette aventure continue. Bon, et j'aimerais vraiment essayer, je ne sais pas quelles sont les limites, où est-ce que je peux aller. Et je dois aller, au fond, c'est ce que j'aimerais faire maintenant. Parce que, disons que, ok, maintenant je me sens un peu plus en confiance, peut-être. Avant, bon, il y avait des phases quand même de doute et d'interrogation. Où, vous savez, je cesse d'écrire pendant plus de 6 mois parce que je me dis que, bon, je n'y arrive pas. Maintenant, j'en suis au stade. Bon, je ne dirais pas que je suis très, très optimiste non plus. Mais j'en suis au stade où je me dis, bon, il y a un petit quelque chose. Il y a comme une petite étincelle. Mais en même temps, je dois prendre la discipline.
parce que je suis quelqu'un de très spontané. Je dois apprendre à travailler mes textes, à lire encore plus. Et puis on verra bien ce que cela va donner. Mais au fond, c'est, pour moi, l'écriture, c'est ça. C'est peut-être que je suis un hypersensible, je ne sais pas. C'est essayer de transmuer ce qu'il y a en moi, quelque chose de très profond, comme un torrent, le mot au fond qui m'habite. C'est comme un océan qui est là. Et il faut en parler, il faut l'écrire, il faut l'évacuer, si vous voulez, sur la page. Mais enfin, j'aimerais rajouter une chose. Ce qui est assez compliqué, hein, Maurice, c'est que justement, vous avez cette sensibilité, mais cette sensibilité, vous n'arrivez pas à l'exprimer parce que, au fond, c'est ça la souffrance, je pense, de l'artiste mauricien, c'est que personne ne le comprend. Au fond, il est beaucoup plus simple d'être un comptable, par exemple, ou de faire quelque chose de tout à fait carré. Et vous êtes là avec votre sensibilité. Mais au fond, il est très, très, très difficile d'en parler aux autres parce que, à Maurice, bon, être artiste, c'est un peu, à la limite, bon, je ne dirais pas dingue, mais c'est un peu bizarre. Hein. Et il est difficile, je pense, ce type de conversation est assez inconcevable avec mes compatriotes, parce que on n'a jamais demandé l'occasion de dire, voilà, j'écris. Pour les gens, bon, je parlais de ça l'ami récemment, par exemple, quand vous venez de publier un livre, bon, il y a des articles dans les journaux, il y a votre photo, et là, on vous rencontre, on vous dit, Oumar, félicitations, jolie photo, joli l'article. Moi, ce que j'aimerais bien entendre, c'est la question qui vient après, c'est, on va pas tout de même acheter le livre, on va s'y rêver, c'est aller un peu trop loin, c'est dans l'utopie. J'aimerais bien entendre cette question, par exemple, mais ton livre parle de quoi? Tout simplement, ou pourquoi est-ce que tu écris? Et là, vous êtes là avec votre imaginaire, vous savez, qui explose littéralement. Vous écrivez, vous publiez, et au fond, vous retrouvez, ben, vous êtes très seul. Parce que bon, c'est vrai, il y a les amis qui s'intéressent à la même chose, on peut toujours en parler. Mais sinon, vous êtes confiné un peu dans cette solitude. Et pour être très franc, je trouve que c'est intolérable. Ça, c'est mieux ailleurs. Hein. Mais je pense que si vous allez dans d'autres sociétés, il y a une légitimité au travail artistique. Ici, vous êtes un peu comme un extraterrestre à la limite. Vous n'existez pas vraiment. Parce que je pense que vous existez, vous publiez des livres, vous n'avez pas d'existence, vous n'êtes pas là, vous êtes invisible, vous êtes un fantôme, au fond. Et je pense que c'est assez pénible. Parce qu'au fond, vous savez, on ne réclame pas, on n'attend pas à ce que les gens tombent dessus pour vous féliciter, ce n'est pas le cas. Il y a quand même, je pense qu'il y a le SMIC, quand même, de l'auteur, c'est un minimum qu'on vous dise, ben voilà, j'aimerais bien jeter un peu derrière ton livre, etc. Et ben, on vit intensément son écriture, on le vit passionnément, mais au bout du compte, il n'y a rien. C'est chercher un miroir au fond, c'est chercher le regard de l'autre. Pas parce qu'on est narcissique, parce que je crois parce qu'on est humain au fond, il y a une attente de l'autre quand même, mais une attente, un regard qui ne vient pratiquement jamais. L'auteur insulaire sans l'être tout à fait. Bon, évidemment, je suis inscrit dans une société, dans une île, à un moment précis, évidemment, cette île m'influence. Hein. Influence mon travail d'écriture. Et c'est vrai que parfois, on se sent un peu étouffé à Maurice, parce que c'est quand même une île qui est minuscule. Hein. Et c'est vrai qu'on a ce sentiment d'étouffement. Et je pense que, ben, évidemment, tout ce que j'écris découle finalement de cette expérience insulaire. Mais je ne suis pas tout à fait insulaire parce que, bon, je suis là, mais au fond, mon imaginaire s'enrichit de nombreuses choses, de toutes mes lectures. Bon, je fais quelques voyages aussi, de ce que je lis, de ce que je vois. Donc, je suis inscrit ici, mais en même temps, mon imaginaire voyage constamment. Donc, je suis de l'île sans de l'être, sans l'être, pardon, tout à fait. Donc, au fond, ce que je dirais aussi, c'est que peut-être l'insularité, c'est que, bon, peut-être que je suis quelqu'un d'assez égoïste finalement. Mon insularité, c'est moi, peut-être. Parce qu'au fond, bon, je l'ai dit, mon écriture, c'est une écriture assez narcissique, c'est une écriture du moi-jeu. Parce qu'au fond, je m'intéresse peut-être pas tellement aux autres, à ce qui m'entoure. Parce que mon souci, peut-être, principal en écrivant, c'est d'arriver à me comprendre, peut-être. Ou à essayer d'arriver à mieux comprendre, à mieux me cerner. Je pense que, au fond, l'insularité, c'est déjà moi, si vous voulez. Je vis en moi, j'écris ce que je suis. Et donc, peut-être qu'il y a l'insularité parce qu'on vit dans une île, mais il y a aussi l'insularité de mon être, au fond. Parce que, bon, pour moi,
cette aventure, l'écriture poétique, l'écriture en général, c'est l'exploration, je pense, de mon être, c'est ce qui m'intéresse. Et c'est pourquoi j'aimerais bien écrire un roman, mais un roman, cela signifie qu'il faut parler beaucoup des autres. Et j'essaie d'écrire un roman, mais ça parle beaucoup de moi, au fond. Et donc, peut-être que c'est mon insularité d'une certaine façon, si vous voulez.